N'a dit premièrement à tout le monde qui attend de nous, que ce soit en direct ou bien par la presse qui est présente, que moi personnellement, moi victime déjà de sanctions SAIO en un pays. Côté en 2007, justement, au niveau des États-Unis, il y a eu nous, où il y a dit qu'il y a une suspicion de drogue sous nous, et il y a pris des décisions contre visa nous, parce qu'il y a une suspicion. Et depuis le SAM, il y a entamé une bataille qui a fait que, trois ans après, au niveau de Wikileaks, nous avons dit que c'est Fritz Meuse, on est qui était accaparé pour Gonaïve là, qui était à côté plainte, qui était à dénoncer dans l'ambassade américaine le 5 mai 2005, parce qu'il n'a pas payé pour Gonaïve là. Il m'a dit qu'il payait. Et le Sahara, bataille a été faite jusqu'à ce que, mal devant le tribunal, jusqu'à ce que toute famille t'es dit que ça monsieur t'es fait à pas bon, notamment devant le tribunal, et t'es gagné bataille là. Et monsieur t'es présenté, excusez-moi, parce que l'icône ça t'es fait à pas de bon, c'est pour le caparis pour vous naïve là, il faut nous rappeler en passant que pour ça actuellement nous sommes l'État, puisque bataille ça que nous avons fait là, c'était pour que l'État t'es récupéré pour. Et le ça, nous venons arriver, nous voyons que pays comme les États-Unis ont réévalué justement la question de sanctions que ont été prises contre nous. Eh bien, le 4 novembre 2022 vient arriver, nous venons retrouver une situation côté international là, vient annoncer encore sanctions contre nous. Nous venons par la presse, nous apprenons ça, puisque nous n'avons jamais signifié nous aucune décision. Immédiatement, que question ça t'est venu, nous te dit que c'est des sanctions politiques, puisque nous connaissons ça t'est arrivé déjà. Nous t'ai entreprendre plusieurs actions. Actions que nous entreprendre, nous t'ai écrit pays États-Unis, nous t'ai écrit pays Canada, parce que nous t'ai parlé de façon générale, pour nous demander qui ça que nous reprochez nous spécifiquement. À date, yo pa jam répond. Mais nous-mêmes, nous continuons à travailler. Et c'est notre travail, ça, qui fait que nous venons découvrir, nous venons découvrir un livre qui est écrit et en anglais, Zombie Fight, et en français, les dossiers zombies. Côté que le livre, ça, ou a dit, été fait pour sénateur Yuri Ladotte. De première page jusqu'à dernière page, c'est des accusations à ne plus finir contre eux, moi-même. Et là, nous avons regardé mes livres là, ni en français ni en anglais. Mais, arrêté sous question de sanction, il est là à tout. Dossier, parce que nous toujours marché avec dossier. Nous avons parlé sans parler de dossier. Nous comparer le livre là, qui sortit en 2019, avec, ça nous a dit, eh bien, décision qui prend aux États-Unis et au Canada. Ça nous est. On a privé sur l'Italie. Ça nous est dans le livre-là. Dans le livre, auteur livre-là, son un nom que nous avons eu, Max Kill. Max Kill. Ça est très important, même pour arriver, c'est le maman dossier. Eh bien, ça nous est dans le livre-là. En 2019, que le livre a sorti, il dit, le livre a accusé, il dit que Yuri la tortue a fait drogue avec le pays Colombie. C'est ça qu'il dit dans le livre. Dans chapitre 9, page 147 et 148. C'est ça qu'il dit dans le livre. Eh bien, dans la sanction, il prend 4 novembre 2022, il dit dans la décision que m'a fait drogue avec pays Colombie. C'est le premier bagage. Deuxième bagage. Yo dit dans le livre là, dans le chapitre 10, page 159, 164, 165, 166, 167, 168,
que m'a trafiqué zam avec l'Afrique du Sud. Yo dit dans sanction yo que moi-même tout m'a fait trafic zam avec pays étranger. Et dans livre là, la remet peut-être nous voit comment nèg ça qui écrit livre ça beaucoup rivé sous non. Comment il définit, il dit m'a fait trafic zam avec pays l'Afrique du Sud, nous avons compté deux âmes qui étaient rivé dans douane Port-au-Prince. Pour qui ça ou pas qu'un conteneur parce que pas de courant, nèg qui t'a supervisé conteneur comme pas de courant, il va superviser, il devoir aller comme ça. C'est pour montrer comment Max Kell nèg, il dit qu'il écrit livre ça. C'est envoyé monter puisque dans livre ça pas rien d'académique ni de prouvé. Troisième ça yo dit dans livre là. Yo dit me fait participer dans violence. Yo dit moi t'a distribué zam en 2009 dans livre là oui avec René Monplaisir. Tout le monde te connaît que moi t'ai en opposition avec président Prival, pas qu'il y a aucun rapport entre moi-même et René Monplaisir. Yo dit dans livre là m'a distribué zam. Dans chapitre 11 page 169 et 175. Dans chapitre 12, page 189-191. Alors que, yo dit, dans la décision sanction, yo, que moi-même, me fais violence également nan, avec bandit dans le quartier populaire. Donc, nous, exactement, ça qui dit dans le livre-là, yo vin reprenni dans la décision sa yo. N'ap continue. L'Israël est écrit par Max Kell. N'a pas gardé nom, Noé, M-A-X, K-I-L. Non, ça, d'après ça, il dit, son officier qui a travaillé aux Nations Unies en Haïti. Comme dans le livre, ça, à la fin, là, oui, monsieur dit son officier qui a travaillé aux Nations Unies, en décembre, nous écrit aux Nations Unies. Nous dit aux Nations Unies, mais il y a officier qui dit la travail à la caillou, qui écrit sous nous, qui fait diffamation, nous t'a remé ou même ou identifié. Jusqu'à date, pas de réponse. Nous t'es obligé, le noué, il n'y a pas de réponse, parce que nous pas qu'à camper là, son dossier politique. Nous t'es obligé d'employer une équipe juridique en Haïti et aux États-Unis. Équipe juridique, ça permet de nous découvrir vrai monde qui écrit là. Moun qui écrit le livre là, il rele Bern Grabner. Bern, B-E-R-N-D-T, Grabner, G-R-A-B-N-E-R. En effet, monsieur c'est un officier qui travaille aux Nations Unies de, en Haïti, son autrichien, qui travaille de 2005 à 2015, et qui, d'après ça, a travaillé dans des dossiers. En bas, des dossiers informels. Monsieur était quitté, monsieur rentré à Haïti en 2005, l'a quitté en 2015, et actuellement, monsieur a travaillé en Afrique. Mais ça nous vient, ouais. C'est que Ben Grabner, il fait toute bagaille, font des rebonds en pile dans l'investigation, dans le dossier, pour découvrir, dit ça. Et j'aime pas le dire là, pas même que les Nations Unies connaissent monsieur qui écrit le livre là. D'ailleurs, dans le livre là, il y a accusé les Nations Unies tout. Il dit que les Nations Unies ont transporté drogue dans la machine. Eh bien, ça monsieur fait dans le livre là. Nous connaissons, là, on livre avec lui de façon académique, on rapport avec lui de façon académique, moi je fais plusieurs rapports, ou obligé d'identifier. Eh bien, dans le livre ça, pas gagné maison d'édition. Pas gagné maison d'édition. Lui-même qui fait propre livre, lui publie. Pas gagné également enregistrement droit d'auteur. J'ai dit, pas gagné compagnie d'édition. Code barre livre là, ça nous est là. Il n'y a aucun rapport avec livre là. Code barre là, dans tout le monde qui écrit livre, c'est ensemble d'informations qui permettent ou lier avec livre là. Pas gagné. Email que M. Météa, il va marcher. Et ou pas jouer une photo de lui. Les amis, qui est-ce qu'avec mon livre, ou pas accuser des gens, ou pas identifier, ou pas une photo, ou pas rien. Donc ça veut dire que, monsieur connaît cet haïtien, et que nous ne pouvons pas jouer ni,
monsieur, eh bien, écrit le livre là pour que l'y mette sous tout réseau Amazon, la vendre, alors que toute salle dit dans le livre là sont traque internationale. Mais nous allons regarder beaucoup plus. Question, puisque la novine Alfouyezo Nakalalou, nous voyons que Ben Grabner, qui écrit sous corruption dans les années 2015, 2016, 2017, monsieur, pas parlé du tout de Petro-Caribé, dossier d'affaires, 1 million de monde près la rue, t'as parlé de Petro-Caribé, monsieur, pas parlé de Petro-Caribé. Monsieur, pas parlé de Dermalon. Monsieur, pas parlé de Sophie Dali. Monsieur, pas parlé de franchise. On rapport que Sénat a fait, que nous t'y fait. Monsieur, pas parlé de contrebande. Monsieur, pas parlé de question passeport. Monsieur, pas parlé de ONG. Pendant tout ça, il y a 10 rapports qui fait dans le Sénat qui a dénoncé mon cap volé, dont moi-même principalement. Monsieur, pas parlé de aucun dossier ça. Et puis, il a fouillé zone à Kalalou. Et là, regarde dans le livre là, n'allez toujours dans la page 321, 324. Ben Gabner dit, mais qui est-ce qui était président d'Haïti? Mais qui est-ce, son ancien premier ministre, je ne vais pas citer non, dans le livre là. C'est monsieur qui est président d'Haïti qui a fait meilleur, et c'est un homme qui est premier dilapidateur, Fonds Petro-Caribé. Et c'est le ça. Et c'est le ça. Enquête nous, à continuer. Et c'est le ça, nous venons, ouais. Que le président Jovenel, en février 2019, te font discours, nous changer. L'idée dit mon opposition, yo, c'est eux qui ont c'est yo qui ont bandit. Et c'est le ça, yo te remet, parce que le livre l'a sorti en mai, yo te remet le rapport ça, yo, contre toute les qui de l'opposition, dont moi-même personnellement, qui te, eh bien, qui te fait Petro-Caribé, et nous changer. Rapport ça sont faux, puisque nous connaissons exactement le ça. C'est le président qui t'a payé, eh bien, et Anel, pour que l'idée vienne, puis il a fait démagogie, mais en même temps, il a fait un dossier. Brent Gardner, monsieur dit dans le livre là, t'as bien, monsieur dit dans le livre là, que il travaille en collaboration avec l'ambassade américaine, et c'est là le dossier. Monsieur dit, il y a une méthode dans l'ambassade là. Monsieur dit que tout ça le fait, il fait yo en collaboration avec l'international. C'est qu'on y a nous venons découvrir comment officier Nations Unies ça, li entend avec gouvernement contre opposition et secteur mafieux qui était dans Petro-Caribéa, dilapidateur qui était dans Petro-Caribéa. Et ce dossier ça yo qui montait depuis 2019 contre opposition et contre monde qui t'a dit vérité pour yon fait caractère assassination. Ça veut dire yon pas qu'à tuer yon, yon voulait détruire caractère yon. Mais pas oublier que même moun sa yon qui devine côté m'lem d'ap écrit Petro-Caribé a, qui te dit yon bon tout avantage pour m'bat maintenant yon dans Petro-Caribé a, qui te fait menace. Justement, c'est Mounzaïo que Ben Gardner dit qu'il doit être président d'Haïti parce que c'est Mounzaïo qui pique l'île dans le pays. Et nous dit tout parce que nous ne pouvons pas tomber d'ennemis. Nations Unies, pas qu'on est. C'est nous qui écrit Nations Unies pour nous dire. Nous écrit bureau affaires légales qui est dans New York. Pour nous dire que maintenant qui écrit le livre ça, parce que dans le même livre là tout, les critiquer Nations Unies. Et actuellement, la travail pour Nations Unies en Afrique. Puisque il était retourné travail de 2019 à 2021 en Haïti, et qu'on y a, il y a en Afrique, la travail pour Nations Unies. Donc nous-mêmes qui avons écrit Nations Unies pas de café travail là. Nous joignons maintenant, nous écrit bureau affaires légales
à New York pour nous dire mais ça on employé à faire et moi dit nous qui ça nous même nous dit dans lettre là tout à l'heure fort de tout ça passé là nous venons comprendre comment le gouvernement haïtien secteur mafieux pétro-caribéen avec officier ça et peut-être l'autre t'es à monter dossier sur monde pour que yo t'es qu'à détruire opposition dont moi-même qui t'ai écrit 10 rapports pour t'éclairer Gémonio dans Petro-Caribé côté 1 million monde t'es près la rue t'as dit yo pas voulez corruption fort de tout cela nous se dit le tal nous écrit affaire légale bureau affaire légale pour nous dire que je dis à nous demander pour le bureau des Nations Unies font confrontation entre nous-mêmes et Ben Gardner. Parce que s'il écrit sous nous, je dis à nos besoins. D'ailleurs, nous avons côté M. Yi. En Afrique, nous faisons des marches pour nous parler avec elle, pour nous confronter. Il parle de confrontation. Nous voulons faire confrontation parce que ça, monsieur, écrit sur nous, il écrit sur tout réseau, il écrit dans le livre, il écrit dans l'ambassade pour que il détruit justement la personnalité nous et nous demander le bureau d'affaires légales là pour faire confrontation. Sinon, justement, pour que il retire le livre ça de circulation ou du moins révoquer pour que nous-mêmes nous poursuivre devant la justice comme c'est envoyé Nations Unies que lié. Nous m'avons dit, tout pays, États-Unis, Canada, qui t'est servi à rapport ça, pour que vous réévaluez la question. Parce que je dis, la bataille là, ce n'est pas étranger qui a fait le contenu. C'est même les gens dans le pays qui ont découvert la corruption, dans le volet, qui ont même l'argent dans le pays, qui ont moyen pour arriver à craser les gens. Mais moi-même, je dis ça, sénateur Latour, c'est une bonne bataille. Et ma bataille. Parce que je dis à Mounsayo, yo pense que yo ka fait n'importe qui bagaille dans le pays. Ça. Nous dit, nous ne pas tromper d'ennemis. Ce n'est pas des dossiers qui fait aux États-Unis, qui fait au Canada. C'est des dossiers qui fait ici. Et trio qui pote dossier ça, c'est Ben Gardner, qui est officier des Nations Unies, avec peut-être l'autre. C'est dilapidateur Petro-Caribé et c'est gouvernement haïtien eux-mêmes qui devant mauvaise gouvernance pensent que meilleure façon pour le faire c'est craser moun qui campait tête à tête avec eux. Et c'est peut-être ça nous prenons chemin légal là pour affronter dossier yo et nous affronter dossier yo le sa Ben Gardner à bail tout le monde qui était campé avec eux. Parce que je dis à nous penser que, après 2 mois de silence, moi j'ai fait silence là, parce que j'ai besoin de bagages. Premièrement, qu'on ait ça reproché spécifiquement, et en même temps, enquêter sur le dossier ça. Et moi, merci à tout le monde dans l'équipe juridique, non, ici et aux États-Unis, qui permettent que le travail ça, le fait que je dis à nous qu'à découvrir volume dossier que. Un monde capoté pour le détruire l'autre monde. Pour écrire un livre, côté que livre la son tract international, ou accuser un monde, il n'y a pas aucune référence. Pour que livre ça, la circule dans toute communauté internationale là, il apprend des paroles là-dedans pour vrai, alors que il n'y a rien de vrai là-dedans. Et pour que Ben Gardner ça, il continue à travailler dans les Nations Unies sous l'autre nom. Il mettait un nom, Maxwell, c'est bon, roman ou écrit, son livre ou écrit pour accuser les gens, et que je dis à, ou caché pour que ou écrit ça, et monsieur connaît pertinemment que dans l'autre pays, il n'a pas tout à fait ça. Et les Nations Unies doivent prendre responsabilité, parce que les Nations Unies n'est pas venu pour la craser, les gens qui ont fait politique dans le pays. Je dis à nous regarder les Nations Unies, que ce soit en Haïti, et que ce soit dans New York. Parce que là où ils viennent pour aider avant l'autre amélioration, ils ne viennent pas pour détruire le monde
que yo pas d'accord avec elle. Et c'est dans ce sens ça. Moi dit moi pour continuer question ça. N'a pas une réponse bureau affaires légales. N'a fait toute démarche pour nous arriver faire confrontation. Mais pendant ce temps, nous soumettons le dossier à tout le pays pour réévaluer la question et pour voir comment il y a des gens qui mènent et prennent des décisions qui sont purement locales, qui sont purement dans l'intérêt. Parce que si je dis, tout le monde connaît. C'est le sénateur de la tortue qui te bail plan pour que vous finissiez la question. C'est moi qui te bail plan, qui te dis si vous appliquez dans 3 mois. N'a pas l'autre situation. C'est moi qui t'ai pris en position pour l'équipement de la police. Et depuis novembre, tout le monde a regardé pour voir comment la situation est, sans pas besoin de faire commentaire. Mais ça m'a dit, après que je finis d'écrire bureau affaires légales, dans New York, je vais continuer la bataille. Bataille pour la sécurité du peuple haïtien. Parce que je dis à le peuple, il n'y a pas de sécurité. Il faut batailler ça à continuer. Bataille ça que je me suis consacré la donne depuis 2021. Moi, j'ai besoin d'éclaircir la situation pour montrer côté dossier politique ça qui sorti. Et maintenant que l'institution réagit, mais pendant ce temps, on a continué la bataille pour ne pas ici. Merci beaucoup et à la prochaine.